Utilisez l'application Measure pour estimer les distances et la surface entre deux points. C'est un outil utile pour calculer les matériaux et les coûts et faire des estimations sur le terrain. C'est un outil conçu pour offrir des estimations de distance de qualité et non des mesures précises. Il utilise l'alignement de la caméra et le laser intégré pour calculer une valeur de distance. La précision dépend de l'appareil qui est tenu en parallèle avec l'objet ou la surface sur laquelle vous pointez le laser, ainsi que l'étalonnage entre le laser et la caméra. La première fois que vous lancez l'application Measure, vous serez invité à étalonner l'outil. La meilleure façon de procéder est de placer votre 4S61 sur le dos sur le bord d'une table. À l'aide d'un mètre ruban, mesurez la distance entre le sol et le téléphone et entrez la distance dans l'application. Sur l'écran suivant, la caméra tentera de détecter automatiquement le point rouge du laser sur le sol. Une boîte verte s'affichera autour du point du laser sur l'écran, indiquant que celui-ci a été détecté. Si l'application ne parvient pas à détecter le point, il suffit d'appuyer sur le point du laser pour le détecter manuellement. Appuyez ensuite sur le bouton de capture. Une vue agrandie du point du laser s'affiche alors et un réticule apparaît au centre. Assurez-vous que le point soit situé au centre du réticule en faisant glisser l'image pour obtenir la position souhaitée et appuyez sur le bouton de capture une nouvelle fois pour confirmer. L'étalonnage est désormais terminé. La précision de vos mesures peut être affectée par des impacts sur votre appareil. Pour assurer la précision, vous devez réétalonner régulièrement. Pour obtenir de meilleurs résultats, nous vous recommandons de réétalonner après chaque chute ou impact. En savoir plus sur catphones.com.